Et bonjour à tout le monde, bienvenue sur ce stream eh bien, de la Salty Arena pour la sac numéro... C'est la combientième sac, Melville ? La sac numéro 10, magnifique. Sac numéro 10 qui va donc s'ouvrir pour le bracket, puisque nous sortons de la phase de poule. Bracket, du coup, round 1 avec Diantre face à Grolex. Grolex qui est debout, qui discute... Ça fait les petits pick and ban en attendant. Je vois que ça commence déjà à tirer pour Diantre. N'hésitez pas à apporter du soutien à Grolex également. Il va se sentir un peu seul. Et le fistbump qui part. Et du coup, on va pouvoir y aller sur Fountain of Dreams avec du Mars contre Fox. Plutôt intéressant. Et tout de suite, quelques petites phases de neutral qui sont échangées ici. Grolex qui a un léger avantage de pourcent, mais pour le moment, on se tourne autour, on bouge un petit peu partout en essayant de chercher des ouvertures. Mais voilà, pas de grosses phases trouvées. Peut-être que Grolex peut se permettre de ledge trap ici. Mais Diantre a l'air de bien s'en sortir. Allez, joli petit F-Smash pour mettre au corner. Et ouais, comme je le disais, pour le moment, pas vraiment de... Enfin, les joueurs ne sont pas réellement totalement menacés. Il n'y a pas de grosse phase, en fait, ça s'échange des coups. Et c'est pour ça qu'on a un match assez even au niveau des pourcentages. Grolex arrive à trouver cette backthrow ici. Et le bel Edge Guard avec le Ledge Hog. Et du coup, premier stock sécurisé par Grolex. Oh, le downer. Ouh, il aurait pu se permettre pas mal de choses ici avec ce downer. Allez, le faire pour envoyer off stage. Maintenant, c'est à Diantre de faire le taf. Hein. Il accuse un beau petit retard. Il faut qu'il arrive à close la stock. Surtout que Grolex survit à 140%. Mademoiselle Kumatora, eh bien c'est tout simplement Brawl. C'est juste que pour que ce soit plus fun, on a décidé de l'appeler 3.6. Ne vous inquiétez pas, madame. En tout cas, bienvenue sur le stream. Oh, très beau F-Smash ici de la part de Grolex qui close une deuxième stock et se retrouve du coup avec deux stocks d'avance. Toujours à plus de 200%. Mars ne tue toujours pas sur Melee. Après 3 versions, le jeu ne marche pas pour lui. Mais cependant, un petit nerf, voilà. Le nerf va enfin closer une première stock et Diantre peut se permettre maintenant un petit peu de revenir. Mais il va falloir prendre des risques s'il veut eh bien, s'offrir cette game. Oh là là, ça n'avait plus aucun sens. Le jeu a perdu toute sa normalité durant ces 5 dernières secondes. Et du coup, on se retrouve 0%, 2 stocks à 1. Petite phase de tech chase ici pour Diantre qui va se finir. Allez, drill, shine, grab, backthrow. Mais rien derrière. Allez, quelques petites phases ici sur le Fox, des bonnes juggles. Diantre qui fait monter le compteur de pourcent. Allez, un bel edge guard. Ouh, c'est dommage, c'est pas passé loin ici. Ce drop back air était magnifique et Diantre qui du coup ne va pas pouvoir recover. Nous sommes à 1-1 donc pour eh bien pour ce cher Grolex. Tandis qu'on repart directement sur Final Destination, le counter pick classique pour les Mars, sachant que vu que nous sommes en BO5, il n'y a pas de ban. Donc Diantre a juste eu à placer son curseur sur Final Destination et appuyer sur A. Et pour le moment, le counter pick a l'air de payer puisqu'il se paye une... Ah non ! Oh non, le suicide de Diantre, terrible ! Terrible désillusion pour le Mars belge.
Oh, très belle phase ici. Avec des beaux juggles. Tout en restant, tout en laissant Fox un petit peu au sol. Diantre ne joue pas non plus avec des gros juggles en laissant Fox en l'air pendant des années et des années. Mais en tout cas, ça suffit pour close la stock et permettre voilà, de remonter le gap qu'il avait créé avec cette SD. Oh dommage, ici le forward smash qui n'est pas passé, qui du coup permet à Grolex de encore faire son fameux drop back air. Oula, il a peut-être un petit peu trop tenté, en tout cas le donner ne va pas connecter malheureusement pour Diantre. Et du coup Grolex en sort indemne et se permet même d'aller prendre cette stock. Oh le up throw donner magnifique là de Diantre, on voit Grolex qui se tape une barre. Toujours très souriant quand il joue Grolex. Très beau shield ici sur le F smash avec la Epsro qui ne va pas connecter. Oh le jab non! La SD de Grolex. Tous les joueurs en auront fait une maintenant. Très joli nerf ici pour envoyer au stage. Et du coup, Diantre est envoyé trop loin et ne peut pas recover. Et du coup, on est à low pourcent chacun. Et pour le moment, on voit le counter pick marcher pour Diantre. Il va chercher de très bons pourcents. Il a un beau lead ici. Mais attention à ne pas se faire remonter parce que Fox aussi peut mettre très très cher à Mars sur destination finale. Comme on le voit ici avec Drill, Shine, Grab. Et ça enchaîne. Avec l'illusion. Connecté avec un upper. Et du coup, le lead 2% pour Grolex. Ce backer ici va close la stock. Et du coup, Grolex se retrouve à 2-0. Très beau lead ici. Pour le Fox Orange. Très beau combo ici pour envoyer off stage. Il ne manque plus qu'à trouver le ledge trap. Mais on va se faire reverse ici avec des beaux lock plateformes de Diantre. Petit forward air. Ça va choisir de Ricolo côté Grolex. C'est catch par un F smash et du coup ça ne peut plus revenir. Oh très joli ledge hog ici mais on peut plus recover côté Diantre. On est parti un petit peu trop vers le centre du stage. Allez, petit schmoonwalk là. Grolex il met une grosse pression à Diantre. Mais il faut mettre cette pression parce que du coup il a un petit retard d'une stock à rattraper ici. Beau catch ici de la part de Diantre. Très belle edge guard avec le down tilt. On n'arrive pas à confirmer malheureusement mais il reste encore le ledge trap. Tant que Fox est corner. Il faut le maintenir en désavantage, surtout sur BF. Allez, on a prédit la Rico High, mais Grolex aura choisi d'aller snap le ledge directement. Très beau up B ici pour aller conditionner la Rico Diantre, mais qui malheureusement va s'écraser sur les bords du stage. Oh, on a failli mourir côté Diantre ici. Et du coup Grolex pouvait se permettre de se repositionner. Le short end ici pour aller snap le ledge directement et éviter de se faire catch par le smash.
Belle phase ici, il faut continuer, il faut la continuer parce que la Grolex est à 195%. Encore une fois, Mars, ne tuez pas et maintenant c'est chose faite avec un smash en trade. Et du coup, Diantre qui a un bolide, mais attention à ne pas se le faire reprendre. Parce que Grolex, voilà, il avance très vite ici. Ouais, des petites, des petits chain grab ici. Oh, mais le F-Smash raw tout seul, sans rien, sans assaisonnement, aura eu raison de Diantre. Et du coup, on est encore une fois en last stock, à l'eau pour cent pour les deux joueurs. Même si Diantre profite d'un beau lead actuellement. Mais bon, on a vu ce que Grolex faisait au lead sur la dernière stock. Mais pour le moment, ça a l'air de sourire à Diantre, en tout cas, cette situation. Fox n'arrive pas vraiment à sortir du désavantage. Oh, peut-être que si, la Caster Cursed. En tout cas, on est revenu en neutral. Le up smash qui ne va pas tuer, mais on a frôlé la blast zone côté Diantre. Oula, on a tenté une énorme ride ici côté Grolex. Et du coup, ouais, il est vraiment au pourcent et ce nerf. Ce nerf en couverture aura raison de lui. Et Diantre qui s'offre enfin une game dans ce BO5. Ça a changé de tag, hein, a priori. Très beau smash ici, attention. Attention, Grolex. Le vent de Whispywood qui va le faire revenir au ledge et du coup qui permet à Diantre de continuer son avantage malgré le fait de s'être fait catch par la get up attack, mais attention ici, Diantre qui peut se permettre pas mal de choses et qui se permet pas mal de choses tout court. Mais le reversal est là, revient en neutral. Il y a assez peu de phases de neutral, mine de rien, pour le moment sur ce début de game. C'est beaucoup de je te touche, je te mets une petite phase, mais tu me réponds instantanément, etc. Et voilà, le ledge hog qui va enfin close la première stock après une minute de jeu. Oh là là, le follow-up. Le follow-up de Zinzin au trade avec ce downer sorti des enfers. Mais malgré tout, Diantre qui se retrouve quand même à une stock de retard. Très beau chain ici pour sortir du chain grab. Mais ça continue encore et encore. Allez, chain reverse back air. Chain up smash et ça tue à pas grand chose, mais ça arrive à prendre la stock de Diantre. Et du coup, Grolex se retrouve avec deux stocks d'avance. J'ai rien dit. Voilà, encore la Caster Cursed. Se retrouve avec une stock d'avance, excusez-moi. Ah, ça n'a pas réussi à cheese ici côté Diantre. Et du coup, Grolex avec ses petits drills. Up air, up tilt. Il aura raté son wave dash. Attention, Grolex. Très bel enchaînement ici de la part de Diantre. Il doit les faire. Oh là là, et tout de suite le donneur en réaction. A l'air dodge up. Est-ce qu'il peut recommencer? Non, Grolex va catch ça avec un jab nerf, un petit shine. Ça a failli être la fin de Diantre.
Il a réussi à grab à reversal, mais le backer aura raison de lui. Et c'est un 3-1 bien net de la part de Grolex. Thank you.